Le verdict est tombé ce lundi suite à la requête formulée par l'ex-parti au pouvoir. La Cour de justice de la CEDEAO dit que le code électoral du Burkina Faso tel que modifié par la loi du 7 avril 2015 est une violation du droit de libre participation aux élections. Le gouvernement de transition dit prendre acte de ce verdict. Une force pour traquer l'injustice, les crimes politiques et la corruption des journalistes issus de plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine sont réunis au sein de la cellule pour le journalisme d'investigation. L'idée de ces professionnels de médias africains est de dénoncer ces maux et ils s'inspirent de Norbert Zongo, journaliste d'investigation assassiné en décembre 1998. Elle s'est investie depuis 2007 dans l'amélioration du cadre de vie des populations du Burkina. La Banque africaine de développement finance un projet d'approvisionnement en eau potable et en assainissement. Sur le terrain, le constat est satisfaisant. Les réalisations correspondent au cahier de charges. Nous le verrons tout cela dans le détail dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Ce communiqué de presse émanant du service d'information du gouvernement. Le gouvernement de transition prend acte du verdict de la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO a rendu ce lundi 13 juillet 2015 à Abuja, au Nigeria, sa décision sur la requête formulée par 7 partis de l'ex-majorité et 13 autres personnes contre l'État burkinabé relative à l'article 135 du nouveau code électoral. Dans son arrêt, elle explique que c'est le caractère ambigu des critères de l'exclusion et de l'application expéditive et massive qui en est faite qu'elle juge contraire au texte. Par la Cour, pour la Cour, il peut certes arriver que dans les conjonctures particulières, la législation d'un pays institue des impossibilités d'accéder à des fonctions électives à l'encontre de certains citoyens ou de certaines organisations. Mais cette impossibilité ne doit pas conduire à interdire de candidature toute organisation ou personne ayant été proche du régime des faits. La Cour rappelle par ailleurs que la sanction du changement anticonstitutionnel de gouvernement vise des régimes, des États éventuellement leurs dirigeants, mais ne saurait concerner les droits de citoyens ordinaires. Cependant, la Cour de justice de la CEDEAO reconnaît à l'État burkinabé le droit de restreindre l'accès au suffrage et précise que les restrictions ne doivent concerner que les dirigeants de l'État qui étaient au pouvoir au moment des faits et non les citoyens ordinaires. Le gouvernement de la transition prend acte de cet arrêt et examinera avec la plus grande attention la décision de la Cour. Enfin, le gouvernement de la transition se félicite de la voie légale empruntée par les partis pour régler leurs litiges. Nous reviendrons dans le détail le temps que nos équipes soient prêtes avec le reportage sur cette décision de la Cour de justice de la CEDEAO. L'élection présidentielle et ses candidats qui continuent leur investiture, elle n'est pas la seule femme candidate, mais c'est la première à choisir la ville de Burkina Faso pour son investiture. Sahara Seremé, présidente du Parti pour le développement et le changement PDC, a officiellement été investie par son parti pour aller à la conquête de la magistrature suprême le 11 octobre prochain. Le reportage de Moussa Sano. C'est fait, Sahara Seremé est la candidate du PDC, le Parti pour le développement et le changement, à la présidentielle du 11 octobre prochain. Devant les militants du parti réunis à son investiture, la candidate n'a pas manqué de dévoiler ses priorités. L'employabilité des jeunes, les questions qui ont trait à la jeunesse, les questions sanitaires, les questions de développement économique, en passant par la promotion de nos ressources naturelles seront évidemment nos priorités. Le changement de comportement et de mentalité pour un développement harmonieux, équitable et durable, ce sera le thème de campagne de la candidate du PDC pour qui aucune émergence n'est possible sans l'implication de tous. Nous ne pouvons espérer un développement également sectaire et espérer atteindre l'émergence. Aucun parti politique ne vient en politique normalement juste pour se faire ses poches ou pour ses propres intérêts. Mais un parti vient avant tout pour construire la nation, pour le bien-être de ses populations. Et ce bien-être passe par le développement harmonieux. La candidate du PDC espère la victoire au soir du 11 octobre. Pour réussir ce défi, elle n'écarte pas l'idée de tisser des alliances avec d'autres partis.
Et justement, dans le processus d'organisation de cette élection présidentielle, mais aussi des autres échéances 2016, la police a son mot à dire. Professionnalisme et impartialité sont à cultiver au sein des rangs afin de veiller à la sûreté des institutions de l'État et à la protection des biens et des personnes. Ces acteurs de la sécurité intérieure sont en formation sur la sécurisation du processus électoral. Ce lundi a eu lieu le lancement de la première d'une série de formations. Le point avec Yolande Lombo. Comment le policier peut-il se servir de ses connaissances en police citoyenne pour mieux jouer son rôle dans la sécurisation du processus électoral? C'est à cet exercice pratique que vont se livrer les directeurs centraux et régionaux de la police nationale dans cette salle. Après eux, cette formation sur la sécurisation du processus électoral va s'étendre à leurs hommes sur le terrain. Nous devons avoir un comportement exemplaire avant, pendant et après les élections. Et pour cela, il faut que l'on se prépare. Partenaire de la police nationale depuis plus de 4 ans, la contribution de la Fondation Amsaldel à ces formations a été saluée par le premier responsable de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI a accompagné les concepteurs des modules de la police pour pouvoir concevoir effectivement cette formation-là, de manière à ce que véritablement la police puisse faire le travail qui est attendu effectivement de cette institution-là pour un déroulement heureux de ces élections. Mais au-delà de la police, vous savez très bien qu'il y a la gendarmerie, il y a l'ensemble des services paramilitaires qui sont en charge aussi de la question de la sécurisation le jour du scrutin. Pour une bonne gestion de la sécurité des élections, le maintien de l'ordre en période électorale et les attentes de la CENI sont entre autres les points qui seront à l'ordre du jour à cette rencontre. Et puis cette information sous forme de brève avant de poursuivre. L'Union africaine renouvelle son plein appui à la transition au Burkina Faso et à son aboutissement dans les délais convenus. Dans un communiqué daté du 12 juillet 2015, la présidente de la Commission de l'Union africaine, le docteur Nkosazana Dlamini Zuma, dit suivre de près l'évolution de la situation au Burkina, tout en rappelant les dispositions de la Charte africaine de la démocratie ratifiée par le Burkina Faso. La présidente de l'UIA demande instamment aux acteurs burkinabés concernés de se conformer au principe de subordination des forces de défense et de sécurité à l'autorité politique. La présidente de la commission, se référant à l'adresse à la nation faite par le président Michel Kafando, se félicite de sa détermination à conduire la transition à son terme et salue les efforts soutenus qu'il déploie pour désamorcer la tension actuelle. Et puis, les travaux de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État s'est achevée. L'une des recommandations fortes, nous dit Tanga Kafando, est celle faite à l'endroit de ces EPE qui devront travailler à soigner leur image afin d'optimiser leur rendement. Voici son reportage. Les EPE en bonne santé financière, mais peuvent toujours mieux faire. C'est la conclusion de la 16e Assemblée générale des EPE. Et pour optimiser les résultats, chaque EPE devra se doter d'un plan de communication. Et c'est également l'une des fortes recommandations à cette Assemblée générale, dont le thème est « Comment optimiser la communication au sein des établissements publics de l'État ?» À la RTB spécifiquement, et aussi bien qu'à Sidoya, qui est un média d'État également, il a été recommandé d'engager des réflexions pour voir leur statut évoluer de sorte à leur permettre de mieux exécuter leur mission. Les EPE devront également travailler pour mériter leur statut selon le ministre de l'Économie qui a par ailleurs prêché la bonne gouvernance au sein des établissements publics de l'État. Il avait été constaté qu'au niveau des EPE, il n'y a pas de plan formel de communication. Donc la communication qui a été faite visait à les inciter à le faire sans délai parce que ça va permettre d'améliorer le climat de travail, le climat de collaboration, le climat de partenariat. Rendez-vous est donc pris pour la 17e session prévue pour se tenir les 7 et 8 juillet 2016 sous le thème « Budget-programme, quelle implication pour les établissements publics de l'État ?»
Revenons à cette information. La Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vient de rendre son verdict. Le nouveau code électoral constitue une violation du droit de libre participation aux élections, selon la dite Cour qui ordonne l'État burkinabé à lever les obstacles à une participation aux élections consécutives à cette modification. Comment la nouvelle est-elle accueillie par les différentes parties? Réponse avec Issaka Ouedraogo et Sibidi Issa-Lankwande. Le 7 avril 2015, le Conseil national de la transition a adopté la nouvelle loi électorale qui, en son article 135, exclut de la compétition toute personne ayant soutenu ouvertement un changement anticonstitutionnel, une loi contestée par les partis de l'ex-majorité qui avaient alors déposé un recours auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. La Cour a rendu son verdict ce 13 juillet 2015, un verdict interprété diversement par les protagonistes. Pour les avocats du gouvernement, la Cour de justice de la CEDEAO appelle le gouvernement burkinabé à revoir certaines dispositions de la loi afin de préserver les droits des citoyens. Le caractère ambigu des critères de l'exclusion et l'application massive qui en est faite, donc, la Cour juge contraire au texte. Deuxième élément que la Cour dit, c'est que la sanction du changement anticonstitutionnel du gouvernement vise des régimes des États et leurs dirigeants et qu'elle ne saurait concerner les droits des citoyens ordinaires. Donc, à partir de ces éléments-là, la Cour conclut à une violation et ordonne à l'État de lever les obstacles. Donc, à l'analyse, lever les obstacles sera donc faire en sorte que les citoyens ordinaires ne soient pas concernés, mais plutôt les dirigeants, de faire en sorte que le texte ne soit pas ambigu et qu'il ne conduise pas donc à une exclusion massive. L'ex-majorité, quant à elle, a une toute autre lecture de ce verdict rendu par la Cour de justice de la CEDEAO. Une satisfaction pas seulement pour le CDP ou l'ex-majorité, une satisfaction parce que c'est une décision qui concerne tous les Burkinabés et qui permettra au Burkinabé d'acheminer à des élections libres, apaisées, inclusives et transparentes. À partir de ce verdict rendu par la Cour, qui intime au Burkina de revoir certaines dispositions de sa nouvelle loi électorale, reste à savoir ce que le gouvernement de transition fera à ce propos. Et justement, quelle est la conséquence de cette décision rendue par la Cour de justice de la CEDEAO? La question a été posée au docteur Luc Marius Ibriga. Suivez plutôt. Non, je pense que le code devrait être modifié pour prendre en compte l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est que la Cour, quant au fond, ne remet pas en cause la démarche de l'État burkinabé. Elle considère que c'est parce que la décision est ambiguë, c'est-à-dire le libellé est ambigu, et qu'il s'agit d'une application massive. Et donc, elle prend le soin aussi de dire que les éléments concernant les changements anticonstitutionnels peuvent être appliqués aux dirigeants. Cela veut dire que si le code avait été rédigé de façon plus précise, en prenant en compte que les seuls dirigeants, la Cour ne l'aurait pas annulé. Mais ceci étant, la Cour a rendu sa décision. Nous sommes dans un état de droit. On doit s'incliner devant la décision de la justice dans la mesure où les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO sont sans appel et il n'y a pas de pourvoi possible. La décision de la Cour vient résoudre un problème important. Dans la situation où nous sommes actuellement, l'application du code électoral aurait été un prétexte pour faire en sorte que les élections n'aient pas lieu. Aujourd'hui, il y a un argument de moins qui a enlevé à ceux qui voulaient perturber les élections. Et donc, il n'y aura plus de raison que nous n'allions pas aux élections dans la mesure où, par la décision de la Cour, les uns et les autres pourront se présenter. Les propos du constitutionnaliste étaient pour nous rapportés par Amadou Louguet, qui est justement présent, Luc Marius Ibriga, à Bobo-Dioulasso. Dans le cadre de,
d'une campagne de sensibilisation sur la lutte contre la corruption. Et cette lutte qui connaît un nouveau tournant, et cette fois, ce sont les acteurs du monde de la justice et de la société civile qui montent au créneau à travers une campagne donc, de sensibilisation. Ils ont 2 jours pour être au fait des dispositions juridiques en matière de lutte contre ce fléau qui, à n'en point douter, gangrène l'économie nationale. Le point, cette fois, avec Ahadi Sandamba. Accusé à tort ou à raison par les populations d'être une justice corrompue et de favoriser l'impunité, la justice burkinabé en a payé les frais lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre dernier, en témoignent ces images. Une accusation qui est également ressortie à l'occasion des travaux des États généraux de la justice. C'est pourquoi il s'avère nécessaire pour les différents acteurs de la justice ainsi que de la société civile de s'imprégner davantage des instruments juridiques communautaires et internationaux ratifiés par le Burkina Faso et surtout de la nouvelle loi portant prévention et répression de la corruption, d'où la tenue de la présente campagne de sensibilisation. Pour ce qui concerne les magistrats, vous savez, c'est eux qui sont appelés à appliquer la loi. Pour appliquer une loi, il est bon de la connaître soi-même. Alors, pour ce qui concerne peut-être les OPJ, vous savez également qu'eux aussi sont dans le cadre de l'application de la loi et ils interviennent un peu en amont. Donc, il est bon également qu'ils connaissent la loi. La société civile également, bon, c'est eux qui sont proches des populations. Il est bon qu'ils aient quelques éléments, en tout cas, sur les dispositions de la loi. L'atelier de Bobo Dioulasso marque le début de la dite campagne. Une campagne qui, à son terme, devrait toucher plus de 120 personnes du monde de la justice et des associations œuvrant dans le domaine de la corruption ou de la défense des droits humains. Et ces personnes devraient à leur tour être des relais dans leurs milieux respectifs. Eux aussi se donnent pour mission de traquer la corruption, mais aussi l'injustice et les crimes politiques. Des journalistes issus de plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine se sont réunis au sein d'une structure, la Cellule pour le journalisme d'investigation Norbert Zongo. Des précisions avec Lassina Ouattara et Touboum Evelyne Dabiri. C'est par un communiqué de presse en date du 9 juillet qu'ont été dévoilés les objectifs et le nom de la cellule baptisée la CENOZO, la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest. La CENOZO a entre autres pour objectif former et encadrer les journalistes de l'Afrique de l'Ouest à entreprendre le journalisme d'investigation d'une manière professionnelle, sécurisée et efficace, publier des histoires bien documentées sur la corruption et le crime organisé dans la région, fournir aux journalistes d'investigation l'assistance juridique et toute autre action de soutien nécessaire à leur protection. Cette cellule sera dirigée par un conseil d'administration fort de 7 journalistes de différents pays africains avec comme projet immédiat. À court terme, nous allons essayer d'abord de mettre sur place un website qui permettra de publier les travaux ou les investigations que feront les uns et les autres. Et ce website ne sera pas fermé naturellement, il sera ouvert à tout autre journaliste qui voudrait faire publier son travail. À l'issue des 48 heures qu'ont duré les travaux, les membres fondateurs de la CENOZO ont présenté une feuille de route qui permettra de faire connaître cette cellule. Dans l'actualité ce soir, de la modernité du côté des éditions Sidoya à la diaspora burkinabé vivant au bord de la lagune Ébrié, Sidoya est allé présenter son paquet de produits numériques. 2 sites web de Sidoya Mobile et Sidoya Numérique devraient permettre à ces Burkinabés d'avoir les informations justes et vraies à temps réel. Le commentaire de Hortense Evelyne Ilemou. Les nouvelles du pays au Burkinabé de la Côte d'Ivoire via les technologies de l'information et de la communication, c'est désormais une réalité. Sidoya vient de mettre sur le marché des produits numériques. Sidoya Mobile, Sidoya Numérique et Sidoya Web sont les innovations présentées à la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire. Abidjan, c'est pour nous une destination de premier choix parce que nous avons une forte communauté burkinabé qui vit ici et nous avons voulu à travers le lancement de ces produits numériques résoudre un problème matériel, notamment l'accès au journal support papier. Ces nouvelles opportunités marquent le visage actuel du groupe de presse les éditions Sidoya en phase avec les TIC. L'information partout et pour tous ceux qui la désirent, quoi de plus pour réjouir les autorités en charge de la communication. Vous avez longtemps été victime du problème de distribution des journaux burkinabés en territoire ivoirien. La donne change maintenant avec la présence des produits TIC des éditions Sidoya.
vous êtes désormais connecté sur le Burkina Faso en tout temps et en tout lieu. Les produits numériques de Sud-Ouaya devraient connaître un succès selon le ministre en charge de la communication de la Côte d'Ivoire. Au regard des difficultés d'acheminement du journal papier, c'est donc un ouf de soulagement pour les responsables du journal. La collaboration transfrontalière entre forces de sécurité burkinabè et togolaise a porté fruit. Un réseau de malfrats opérant sur les deux territoires a été démantelé par la brigade territoriale de la gendarmerie de Kompienga. Lors de leur arrestation, les présumés receleurs avaient en leur possession des armes, des engins à deux roues, entre autres, et une forte somme d'argent. Issaka Souleymane Diallo, Clarisse Nikiema et Nestor Yougbari signent ce reportage. Ces cinq présumés receleurs font partie d'un groupe de bandits de grand chemin spécialisé dans les attaques à main armée entre le Burkina et le Togo. Cinq membres actifs du gang ont été tués lors d'échanges de tirs, dont deux au Burkina, trois au Togo et un sixième toujours en cavale. Les faits remontent au mois de juin dernier et ce groupe avait pour cible les éleveurs transhumants. Cette pratique consistait pour les malfrats armés de fusils de guerre et de saches à déposséder les éleveurs lors des transhumances et à passer la nuit dans certains villages où ils localisent leurs victimes en complicité avec des résidents pour les dépouiller de leurs biens. C'est grâce à la collaboration transfrontalière entre les forces de sécurité togolaises et burkinabais. Il est à remarquer que la collaboration transfrontalière Burkina-Togo a joué un grand rôle déterminant dans la réussite de l'opération. En effet, suite à l'alerte donnée par notre sous-unité, la brigade de recherche de gendarmerie de Dapan au Togo a interpellé les trois autres membres du gang en cavale. En attendant de retrouver le sixième, la gendarmerie exhorte la population à avoir le réflexe de la dénonciation à chaque fois qu'elle a connaissance d'une activité suspecte. Je vous le disais en titre, la Banque africaine de développement fait le point du projet qu'elle finance. Depuis 2007, l'institution financière aide à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans certaines localités du pays. L'équipe de contrôle de la banque déployée sur le terrain était satisfaite des réalisations. Ali Traoré. À Bérégadougou, première étape de cette visite, ce sont les latrines dans les écoles et les lavoirs puisoirs dans les concessions qui ont été visitées. Autre lieu, autre réalisation. Ici à Limourou-Dougou, les populations profitent déjà de cette fontaine. Avant, lorsqu'on revenait des champs, on avait du mal à avoir de l'eau potable. Mais aujourd'hui, tout a changé. Ce projet qui a coûté 25 milliards de francs CFA a pour objectif d'aider les populations à avoir de l'eau potable et à disposer d'un cadre sain. Nous avons senti au niveau de la Banque africaine de développement que c'était un des facteurs sur lesquels il fallait agir au niveau du Burkina Faso. Et nous avons initié des programmes d'eau potable d'assainissement dans tous les pays d'Afrique. Et donc depuis 2007, nous avons initié ce programme que nous mettons en œuvre. Les ouvrages que nous avons réalisés sont de très belles factures et très importantes pour les ménages. Au regard donc du caractère hygiénique et d'assainissement que cela procure donc pour les différents ménages. L'équipe de contrôle a aussi visité les réalisations de Sendou et de Banfora. Ce projet qui touche presque à sa fin concerne les régions du Sahel, du centre-sud, du centre-ouest et des Cascades. Des initiatives qui vont sans doute aider le programme national d'approvisionnement en eau potable à atteindre son objectif, celui de réduire de moitié le déficit d'accès à l'eau et à l'assainissement en cette année 2015. Qu'en est-il sur le terrain? Pour répondre à cette question, la Direction générale des ressources en eau a invité les professionnels de médias à une visite des infrastructures. Nous suivons ce reportage en images de Nwankwo Dabiré. De l'eau issue de robinets, des forages faisant place à de bonnes fontaines. Nous sommes dans la commune rurale de Laï, à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Loin des centres urbains, l'accès à l'eau potable ici est une réalité pour des centaines de ménages. Cela est rendu possible grâce à un système de pompage solaire réalisé par le Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement. Ici au village, en saison
sèche pour avoir l'eau, c'est les mille problèmes. Il faut payer souvent et ça nous crée beaucoup de problèmes. Avec ce robinet, c'est vraiment un grand ouf de soulagement. Si l'on est ravi de pouvoir jouir des privilèges de cette évolution, il faudra tout de même compter avec ses limites. Les pénuries d'eau sont fréquentes. À Tapelogo, la voie d'accès à l'eau potable reste le forage. Le challenge pour les services techniques dans cette localité est d'offrir une latrine à chaque ménage. Des objectifs dont l'atteinte permettra de faire progresser le taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement respectivement de 76 et de 54% cette année en milieu rural, conformément aux objectifs du millénaire pour le développement OMD. Pour la commune d'Apelogo, il faut noter que pour ce qui est de l'assainissement, nous sommes actuellement à environ 49%. Maintenant, pour le volet eau potable, nous sommes à autour de 79% contre 80% attendu. Nous avons toujours des activités que nous menons auprès des ménages pour le changement de comportement. Le programme national d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement s'inscrit dans le cadre des OMD dont le but est d'assurer l'approvisionnement en eau potable. Le CRU des Galiens 2015 s'est retrouvé autour de leur ministère de tutelle et de ses partenaires à la faveur de la traditionnelle nuit des lauréats. Une nuit pour encourager ces lauréats à donner le meilleur d'eux-mêmes. Une nuit également pour recueillir les préoccupations liées à l'exercice du métier. C'est ainsi que les journalistes ont recommandé l'augmentation des récompenses aux Galiens. Karim Patrick Namono. L'instant est solennel et il vient une fois de plus magnifier le professionnalisme et le mérite des 28 lauréats des prix officiels et les 22 des prix spéciaux. Entre dégustations et prestations d'artistes musiciens burkinabés, des discours ont ponctué cette cérémonie et des engagements ont été pris. Cette nuit des lauréats se tenant dans un contexte particulier, national particulier, où la presse dans son ensemble a un rôle crucial à jouer, je ne peux m'empêcher de terminer mon propos en formulant le vœu que l'excellence de nos productions qui a été magnifiée lors de la 18e nuit de communicateurs puisse se refléter davantage sur notre travail au quotidien. Trois jurys ont évalué les lauréats dans une rigueur professionnelle, plaçant la barre des notations à 14 sur 20 pour prétendre aux Galiens. La formation des journalistes, l'une des recommandations du jury, sera prise en compte. Des sessions de recyclage ciblées et des mises à niveau seront initiées en partenariat avec les rédactions des organes de presse et des structures de formation professionnelle pour aider les journalistes à dans leur production. La nuit des lauréats du Galien 2015 prend fin dans une ambiance conviviale, un moment de détente pour oublier la plume, le micro et la caméra. Du cinéma à présent, pendant une année, des caméras ont filmé nuit et jour une cour familiale à Djaradougou, quartier de la ville de Bobo-Dioulasso. Farah Finko est née d'un besoin de montrer aux autres le vrai visage de l'Afrique et d'effacer du même coup des prérequis et des fausses perceptions que l'on peut se faire des habitants du continent noir. Jean-Eudes Bayala et Ismaël Diloma Sirima nous présentent ce long métrage déjà primé. Suivez plutôt. Une immersion dans une cour africaine pour essayer de comprendre les rouages socioculturels qui structurent les familles africaines. Cette immersion s'est traduite par plus d'une année de tournage pour donner naissance à ce long métrage intitulé Farah Finko. Celui qui brise son miroir pour échapper à son image vit dans l'illusion de la jeunesse éternelle. Ce film est une proposition à accepter, nous regarder dans le miroir de nos réalités culturelles pour voir qu'est-ce qui ne va pas et pour pouvoir changer ce qui ne va pas et espérer aller de l'avant. Donc oui, même si ça fait mal, il faut accepter de regarder où sont nos torts, où sont nos travers pour pouvoir aller de l'avant. Le film Farah Finko s'est également tourné vers les familles recomposées, communément appelées les grains. Ils ont une lecture assez lucide de ce qui peut se passer dans la cour. Et dans le film, ça permet un décryptage. Ils racontent quels sont les tenants, les aboutissants de la société, quelles sont les difficultés. Farah Finko, dans son ensemble, décrit les réalités africaines, notamment celles du quartier Djaradougou à Bobo-Dioulasso, sous leur aspect réel. Une raison qui a permis au film de décrocher en 2014 le prix du jury du Festival Lumière d'Afrique de Besançon, en France.
Les quotidiens de ce 13 juillet reviennent sous l'adresse du président du Faso à la Nation. Autre sujet sur lequel sont revenus vos journaux, les obsèques militaires burkinabés tombés au Mali. La revue de la presse, c'est avec Tourboum et Evelyne Labéré. L'adresse du président du Faso a intéressé vos quotidiens de ce 13 juillet. Le Soir informe que dans cette adresse, Michel Kafando tire la sonnette d'alarme et appelle à privilégier l'intérêt général pour Sud-Ouaya. Le journal Le Quotidien précise la décision de Michel Kafando. J'ai le devoir et la ferme intention de conduire la transition jusqu'à son terme. Aujourd'hui, au Faso analyse cette adresse à la Nation comme un aveu d'impuissance du président du Faso, alors qu'il s'en trouve des compatriotes qui estiment que Mba Michel aurait dû arbitrer, soit en se prononçant sur les nouvelles missions dévolues au RSP, soit en congédiant le PM et tout le gouvernement. Puis ce confrère reconnaît que la question dont il s'agit ne se règle pas à coup de décret ou de simples traits de plume. Autre point de l'actualité nationale, l'inhumation des 6 soldats tués au Mali. Une inhumation qui a eu lieu dans un climat de forte désolation et de tristesse, rapporte Le Pays. Sidoya relaie les propos du président du Conseil national de la transition, Chérif Sy. Ils sont tombés au nom de l'honneur et de la paix. Ils méritent un hommage digne de leur sacrifice. Et de l'avis du coordonnateur résident des Nations Unies au Burkina Faso par intérim, Marc Robin, ils ont sacrifié leur vie à une valeur universelle, celle de la paix. Puis le quotidien d'État fait une présentation des 6 soldats burkinabés tués au Mali. Leur souvenir, pour sûr, restera à jamais gravé dans les mémoires, conclut l'observateur Palga. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse. C'est à 22h15.